Depuis le 31 mai, une vingtaine de jeunes bénéficient de formations gratuites sur la conception et la réalisation de dessins animés, une initiative du réalisateur Claver Yameogo. Après sa formation dans ce domaine dans plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, il veut partager ses connaissances avec ses frères burkinabés. Son objectif est de faire du Burkina Faso une référence en matière de dessins animés. Je suis basé au Japon depuis en 2013, mais je suis en train de venir à Ouagadougou. Donc je suis en train de vouloir créer mon propre équipe, mon équipe de dessins animés. Je les forme pour pouvoir les utiliser ici au Burkina Faso, pour pouvoir travailler avec eux à Ouagadougou. Je ne peux pas envoyer des Japonais ici régulièrement comme techniciens afin de travailler sur le dessin animé africain. Mais j'aimerais même que ce soit nous, Africains, nous, Burkinabés, qui fassions nous-mêmes le dessin animé. C'est pour ça que je suis en train de former ces jeunes pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir travailler avec eux ici à Ouagadougou. Après une semaine de formation, les élèves arrivent déjà à concevoir et à animer des dessins. Ils se réjouissent de cette initiative de Claver Yameogo qui leur permet de pratiquer leur passion et de nourrir des ambitions. Je trouve que c'est très bien parce que on n'a pas ça ici. Et moi, j'ai cherché des écoles un peu d'animation et j'ai pas trouvé. Et c'est vraiment, vraiment un grand pas. En fait, fallait que quelqu'un le fasse. Et justement, il a pris la bonne initiative de le faire. On a appris beaucoup de choses en un temps record, en fait. Parce que normalement, je crois que j'ai fait des recherches dessus et normalement ça prend du temps, mais on a déjà réussi à faire plein de choses déjà, comme la balle, la plante, la démarche. C'est vraiment, il a réussi à nous apprendre des trucs en un temps record. C'est un domaine que j'ai de la passion pour, donc c'est pour cela que j'ai décidé de le faire. Et puis bon, vous savez, nous avons des histoires africaines que, bon, à travers l'animation, on peut raconter facilement. Claver Yameogo, quant à lui, se réjouit du niveau d'ensemble de ses élèves et se dit disposé à partager sa connaissance avec tous ceux qui désirent se former dans le domaine du dessin animé. Le seul obstacle pour le moment est le manque de matériel adapté pour l'apprentissage de ce volet du cinéma qui, selon le réalisateur, n'est pas mis en valeur au Burkina Faso.